Et salut tout le monde, c'est Zarkrazia, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est parti pour une review sur PC, donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de jeu PC. On est parti pour Outlast, donc qui est sorti en 2013, développé par Red Barrel. Donc ça va être une petite vidéo de présentation, et on se lance tout de suite. Outlast contient des scènes violentes. Ouais, mais ça je m'en fous. On incarne Miles Upshur, un journaliste d'investigation. Alors, comme j'ai dit, c'est une vidéo de présentation, mais si je vois vraiment que le jeu vous plaît, pourquoi pas je partirai sur un jeu, enfin un let's play, pardon. Oula, je cherche mes mots. Sur un let's play de ce jeu, pourquoi pas. Alors, je me suis mis moi dans les conditions, donc je joue lumière éteinte pour vraiment qu'on soit vraiment dans le jeu. Et qu'on soit vraiment dans l'ambiance. Alors, comme vous avez vu, on incarne Miles Upshur, qui est un journaliste d'investigation. Et oui, nous allons faire une petite investigation sur le terrain de ce lieu qui est soi-disant habité par le démon. Je vais voir pour essayer d'entrer. Cognac G, est-ce que vous me recevez bien? Oh, 107.9. C'est de la merde, 107.9. J'aime pas le 107.9. Y a pas moyen de changer la radio, non? Non, je peux pas. En plus, j'ai une belle bagnole et j'ai un son de merde. Le jeu est merde. L'asile de Montagne. Allez, on va voir si cet asile est habité par le démon. Je vais essayer de pas faire trop long. Je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Ça est quoi, il est 18. Moi, je vais faire jusqu'à 37. 30. Bon, je vais essayer de vous faire une petite demi-heure vidéo. Alors, 17 septembre 2013, adieu, il y a une drôle d'adresse, mais la personne, enfin bref. Tuyau, activité illicite chez Murcom Psychiatric System, vous ne me connaissez pas, il faut que vous fassiez vite. D'accord. D'accord, eh ben, disons. Donc, en gros, il y a des actions illicites, on va prendre des piles. On va prendre ça. Alors moi par contre c'est un caméoscope bizarre, mais en plus il marche à pile, je ne sais pas quoi. Oui, je n'allais pas tirer. Je suis un agent de la presse. J'ai réglé par contre les touches. Et je ne sais plus, je les ai réglées comment. Attendez une petite minute. Il faut pas que je me trompe dans les contrôles. Que surtout que alors non changer l'épicère, attendez, je vais noter parce que si ça se trouve je vais en chier. Alors je vais marquer changer pile CR utiliser c'est à gauche SG, donc je vais me comprendre. Télescope c'est SD pour cam. Et c'est pour ça. Bon après c'est bon, après je sais à peu près. On va revenir au jeu. Regardez-moi les graphismes quand même de ce jeu, c'est quand même pas mal. Alors, les outils sont mis à jour dans votre carnet qui contient aussi vos notes et les documents récupérés. On va faire table. Les notes. D'accord, merci bien. Les documents. Le donneur d'alerte. Ah oui d'accord, la lettre. Bonjour, y'a quelqu'un? Je suis Ah d'accord, bon ben y'a personne. J'allais dire je suis un journaliste qui est pour une enquête, mais bon, y a l'air d'avoir personne. Alors, pour ouvrir une porte, à
appuyer longuement. Hop. On lui a eu un truc à nous faire, c'est ça. Alors, on va aller sur elle. Rien qu'à la vue de cet endroit. Putain, il écrit vite par contre le mec. J'ai à peine de montrer le truc, il est déjà en mode écriture, il est très fort. Alors, rien qu'à la vue de cet endroit, je commence à me sentir mal. L'Asie demande sa facile discrètement fermée par les autorités. Le scandale 11 a été ouvert par un meilleur coup psychiatrique système en 2009, sans couvert d'une œuvre caricative perdue du réseau téléphonique mobile à 1,5 km, plus probablement à cause d'un brouilleur que d'un problème de couverture. La meilleure compagnie camouflée depuis longtemps, s'activité rentable derrière les œuvres de charité, mais jusqu'ici jamais sur le territoire américain. Je ne sais pas ce qu'ils font ici, mais ça a l'air d'être un gros coup, peut-être de quoi les faire couler si l'article réussit à paraître. Ouais, faudrait déjà qu'on réussisse, mais je pense. L'ambiance c'est vraiment pas mal. Les notes sont ajoutées à votre carnet lorsque votre carnet stop est levé en pleine décision de tournage. D'accord. Ah bah on va regarder. Il y a l'air d'avoir du monde. Combien ? Voilà. Marche gauche. Marche gauche. Ah non, ça a l'air d'être fermé. Bah, on va voir. Hein. Monte, vas-y, massive, vas-y, on avait dit. Je sais pas s'il y a quelque chose qui vous choque, mais personnellement, moi, quand je rentre dans un asile et que je vois un camion, trois camions blindés qu'on pourrait trouver dans l'armée, moi, ça me paraît louche. Mais bon. Alors, vous vous accroupir, c'était à gauche. Et voilà. Ce qui est con par contre, c'est que je vois mon personnage. Allez vous voir à personne. Alors. Non, ça se passe par ici. En tout cas, il fait bien nuit, c'est pas mal. Alors je sais à peu près ce qui risque de se passer, hein, mais... D'accord, donc on peut zoomer, mais moi par contre j'ai pas envie de zoomer. Je sais ce qui va se passer, mais je fais quand même gaffe. Ah, zut. Je me suis planté. Comme vous êtes habitué à l'effet. Par contre putain le personnage est lent, on dirait qu'il est qu'il a un boulet au pied ou bien qu'il est sous effet d'extasie, je sais pas. Mais je trouve lent personne. Et là, je peux tout voir. Voilà. Voilà. Eh ben dis non mais ça me cher, vous avez pas peur. Moi personnellement, je pouvais pas dans ces endroits. Ah l'ambiance est bien. Voilà. Alors je suis entré dans... On dirait dans un film d'horreur, en même temps ça se fait vraiment, mais je suis rentré dans la cathédrale et je me demande vraiment ce qui va se passer. Mais moi je suis rentré, je suis Marie Observer, je suis complètement attimbré et je suis rentré dans l'asile mental Zilum. Et j'ai envie de savoir ce qui se passe. Pourquoi ils sont... Pourquoi qu'est-ce qu'ils font, etc. Voilà, moi je ferme les portes. Hein. D'accord, alors ils ont fermé les sous, donc je vais faire les deux. Ça ne me fait pas peur. Il m'en faut plus pour m'impressionner.
Allez, je respecte. Ah, moi je monte sur les tables. Non, il faut quand même plus qu'une télé qui s'allume toute seule pour ça, pour me faire peur, je vous dis. Bref, que le temps s'est arrêté, hein, il est Ah non, il est 9h07 chez moi. Et je sais qu'il faut faire ça pour ouvrir, pour la fermer. Putain, j'adore le mec ultra discret, je claque la porte. Ah, par terre, ça va me permettre de vous faire un petit truc par rapport à un jeu que je vais tester. Et je pense que le personnage qui sera dans le jeu que je vais vous tester plus tard, à mon avis, il aurait été content de nettoyer ça, mais je n'en dis pas plus. Ah, on va ramasser le document. Alors, Mirkov Psychiatric System, projet Wallrider, mode passive, compression, nom du cas 74, initial du client, WHP Billy. Ah, il s'appelle Billy. Pardonnez-moi. Date de la consultation 12-10-2013, date de la première consultation 12-2009. Actuation 19 ans, sexe masculin, état subi, docteur Carlston. Statut de la thérapie, opération déclare avoir progressé vers des états de réussite auto-induits, activité de moteur morphogénique à une échelle sans précédent, poursuite du programme hormonal niveau 4. L'exotique spirométrie n'a révélé aucune accumulation bronchique, point très inquiétant, il a de nouveau été impossible de séparer les érythrocytes. L'IRM a révélé des arythmies, des mouvements oculaires rapides, non rapides, rire à l'état non rapide. Billy a demandé où on était le procès attenté par sa mère à Murkoff et à l'asile. Ceci constitue une faille de sécurité gigantesque malgré le fait que Billy ait déclaré avoir découvert la vérité dans les rêves sanglants du docteur Trager. Remarque, le seul Trager figurant dans les registres de la société, un dénommé Richard Trager, est un cadre de MRD. Il va falloir interroger tous les infirmiers et personnels de sécurité et examiner les milieux de surveillance afin d'inclure la biométrique analytique. Murkoff Psychiatric System, projet Wallrider, Mom Massive Corporation. Je suis sûr qu'il est en train de garder du ou pas. Ah non, tombé. Tac. Moi je serais vous, je demanderai à plaquiste de refaire à le mur. Je sais pas qui c'est qui a fait les murs, mais ils ont été faits n'importe comment. Y'a quelqu'un, j'ai envie d'aller pisser. Monsieur, madame, j'ai envie de faire pipi. Bon, bah y'a personne. Alors, quelqu'un qui est mort au-dessus. Je vais me prendre un soda. Y'a pas moyen de prendre un soda, je veux prendre un soda. Non, y'a pas moyen. Bon, bah tant pis. Alors. Pas besoin de la caméra, je vois plutôt bien. En tout cas l'ambiance est là, hein. On peut pas dire qu'ils ont pas fait œuvre de l'ambiance. Alors, on va ouvrir la porte. Voyons. Ah, c'est pas mal, putain. Eh ben, il aura pas tenu ici, dis donc. Ah ouais, ils ont carrément déchiqueté la tête, oh putain. Oh. Une bibliothèque, un peu classique. Ah, c'est lui alors qu'il était... Bon, vous voyez, sans clé. Par contre, ça m'étonne que son sang pour le plus tard, par contre, il est pas possible. Ah, ils ont carrément déchiqueté la tête. L'époque qu'on voit. Non mais
Ah, quand même. C'est pire que chez les vaudous. Bah, Roger. They killed us. You got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. Can unlock the main doors from security and control. Non, Roger, fais pas ça. You have to get the fuck out of this terrible place. Oh putain. Pauvre Roger. Je vais te laisser dans ta misère, mon pauvre vieux. Je vais essayer de trouver du secours. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah, mais qui c'est lui? Mon dieu! Ah! C'est un être difforme! C'est le Némésis! Ah mon dieu! J'ai plus de dos! Je vais mourir! Oh putain la chute! Wouh! Mais c'est qui toi? Oh putain! Wouah! C'est-à-dire j'ai pas peur, mais j'aime bien les gens horreur, moi personnellement ça me fait rien. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Ouais, mais est-ce que vous pouvez me laisser me relever, s'il vous plaît? Alors, on va plus tarder à se laisser. Je vais juste essayer de voir ce qu'ils vont dire. Oh putain, moi, chute! Fuyez la direction, c'est débloqué de sécurité. Eh ben, ce sera sûrement dans un prochain épisode. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires, c'est toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vais voir au niveau de la du retour de cette vidéo pour voir si éventuellement je m'attaquerai à un let's play sur ce jeu. En tout cas, les Dark Fans, je vous dis à la fois prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.